et 30 avril 90, la date de la proclamation du multipartisme, on m'a gardé à résidence surveillée chez moi 4 fois. Je rentre de l'école, et puis là, il y a des voitures de police partout, des policiers, et on est en résidence surveillée. On me dit, vous n'avez pas le droit de rentrer. J'ai dit, mais j'habite là. Et bien, vous n'avez pas le droit de rentrer. Alors, il faut que je fasse le tour de la maison, puis je passe par un espace de la clôture qui est suffisamment bas pour que je puisse sauter, et puis je rentre dans la maison. Puis ensuite, je ressors, j'ai dit au policier, je suis rentré. Hein. En 1989, le mur de Berlin tombe. Le monde change. Le parti unique ne se justifie donc plus. On a décidé de faire un journal. Le journal, évidemment, et on ne pouvait pas le réaliser ici. Donc, on réalisait le journal en France. Mais il faut le faire entrer. Alors, on a trouvé des alliés au Burkina Faso. Avec des carcasses de viande, on mettait les journaux en bas et puis la viande au-dessus. Et puis voilà, c'était des colis de viande qui étaient envoyés à nos camarades. On paye les droits de douane pour la viande et puis on emporte des cartons. De là-bas, on se partage la viande et on récupère des journaux que l'on vend. Par exemple, proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a eu quelques livres qui sont allés directement, mais je dois dire que le gros lot est passé par là. J'ai trouvé un libraire au niveau de Ouagadougou. Je ne lui ai pas expliqué de quoi il s'agit. Il avait son nom. Il recevait les bouquins. Bon, moi, c'était juste pour qu'ils puissent les sortir de la douane et puis qu'on puisse les envoyer de l'autre côté. Mais une fois le libraire a vu, la douane l'a convoqué pour lui demander, mais ça, ce sont des bouquins, c'est proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà gouvernée. Donc, il y a eu problème. Et le libraire a voulu se rétracter. Je l'ai calmé. Je lui ai dit, mais calmez-vous, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. La contestation urbaine, renforcée par une crise économique certaine, joue pour le FP. En 1990, l'inéluctable se produit. Le multipartisme est réinstauré. En 1990, nous avons forcé le destin de plusieurs façons. La première façon, ça avait été de nous lever puis de dire, après tout, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, le multipartisme est reconnu. C'est dans les faits, en réalité, que le multipartisme était interdit. Donc nous avons dit, eh bien, advienne que pourra, nous prenons nos textes, nous allons les déposer. Au moment où nous arrivons en 90, le régime du président Fouad était très largement fragilisé. Monsieur Koumoué et Kofi avaient échoué dans sa volonté de réduire les salaires. Et en 89, la Banque mondiale lui impose le recrutement d'Alassane Ouattara, nommé président du comité interministériel pour régler les problèmes justement de la crise socio-économique. Nous avons utilisé ces instants-là du pays pour poser le problème de l'ouverture démocratique et donc de la fin du parti unique. Quand on a prononcé le multipartisme, Laurent Gbagbo était dans un coin. On l'a senti triste. Alors qu'il devait être content, c'était quand même aussi son œuvre. Mais il a dit non, le plus dur commence aujourd'hui. Je disais, Moïse, il a libéré le peuple d'Israël, d'Égypte, mais il n'est pas rentré en terre de Canaan lui-même. Mais je voulais préparer les gens à l'hypothèse que je ne vois pas le multipartisme moi-même et à l'hypothèse que je ne vois pas notre arrivée au pouvoir. Au camarade Laurent Gbagbo d'être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Et un choc pour le PDCI. C'était comme si nous commettions un crime de lèse-majesté. Comment vous osez faire affront au père de la nation, le président Fouad Boigny, ce monument? Mais au moins, laissez-le mourir d'abord. Osei Nyansou vient me proposer une discussion qui dure un mois. C'était qu'il fallait que je laisse Fouad Boigny, candidat unique, pour avoir des postes des députés. Je refuse, évidemment. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour que ce pays se sorte de toutes les difficultés où il est plongé. La semaine même où les candidatures devaient
être clôturé. Ça devait être un samedi. Le mercredi, le PDCI fait voter une loi à l'Assemblée nationale disant que désormais, pour pouvoir déposer sa candidature, il fallait, au présidentiel, il fallait que le candidat paye une caution de 20 millions de francs. Évidemment, ils ont fixé 20 millions de francs après avoir fait un tour dans nos différents comptes bancaires. Et quand ils ont cumulé nos différents avoirs, je ne sais pas si ça atteignait même 5 millions de francs. Alors, le téléphone marche, on fait appel à tout le monde, on met une table, comme pour une veillée, et puis les gens viennent, donnent l'argent. Il y a même un homme du PDCI qui nous a donné 7 millions. On a même des gosses qui sont venus, qui ont payé 25 francs, des pièces de 100 francs, des pièces de 50 francs. Des gens ont donné des billets de 500 francs, de 1000 francs. Le jeudi soir, on avait 36 millions. Nous avons donc le vendredi déposé les 20 millions au trésor et il nous est resté 16 millions. C'est avec ces 16 millions que nous avons fait la campagne présidentielle de 1990. On parle dans le temps de 11 000 sites, là, il est parti par. Quand il va dans un endroit, il dit que le président Fouet a dormi là. Il dit, bon, moi, je vais dormir là. On dit que le président Fouet s'est assis sous cette table là. Il dit, moi, je vais m'asseoir sous cette table là. On ne pensait pas à la Côte d'Ivoire en étant à Paris ou à New York. Il faut être à Suifri, il faut être à Tanda, il faut être à Grabo, il faut être à Tengrela, il faut être à Boisseau. Il connaît la culture, la tradition de la Côte d'Ivoire, le relief de la Côte d'Ivoire, la mentalité de la population. Il a vécu avec cette population-là. Et là, je pense que ça a été un point fort. Je crois que l'enseignement qu'il donne là, quand on veut diriger un jour les hommes, il faut les connaître. Tout candidat à la présidence de la République doit être prêt à tout moment à expliquer au peuple de Côte d'Ivoire son projet de gouvernement, son programme de gouvernement et son projet de société. Cette explication peut prendre plusieurs formes, y compris la forme d'un débat contradictoire. Monsieur, je suis prêt à n'importe quel moment à débattre avec mon adversaire. Quand j'ai vu ce fabuleux meeting de d'août 90, quand j'ai vu le stade de Trècheville plein, on voyait même pas l'herbe de la pelouse tellement il y avait de monde. Je dois dire que j'étais très très ému en pensant à toutes ces années-là. J'ai eu 18% et comme il fallait avoir 10% pour avoir le remboursement de sa caution, on nous a remboursé les 20 millions. Avec la moitié, nous avons fait la campagne législative et avec l'autre moitié, nous avons fait la campagne municipale. Je revois Laurent Gbagbo montant à la tribune avec cette phrase qui restait gravée dans ma tête et qui, à la fois, d'une certaine manière, très africaine, mais qui reflète bien sa personnalité. Il a dit « Doucement, doucement, nous sommes pressés ». C'est-à-dire, vraiment, pour les militants, c'était pas trop vite, cassez pas de vaisselle, on va y arriver. Il faut savoir garder le rythme, il faut respecter le temps. François Mitterrand disait de son côté « Il faut donner du temps au temps ». C'était une approche un peu commune. Après que les travailleurs, les étudiants, les élèves soient descendus dans la rue à partir du 19 février 1990, quand le Front populaire ivoirien, le 2 avril, pour accompagner les mouvements sociaux, a déposé la préfecture de police en bravant les risques d'arrestation, les documents pour être arrêtés, avec la liste de tous les membres fondateurs. Quand à la suite de ces événements, le 30 avril, le PDCI a reconnu qu'enfin, il ne pouvait pas gouverner seul, eh bien, nous avons pensé que c'était une grande victoire. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 91, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIRPAC avait estimé que les étudiants en faisaient trop et donc voulait leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans les rues, nous avons manifesté, nous avons obtenu du président Fouet à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoye, composé par le pouvoir, par Oufouette lui-même. Et
les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye à l'époque, c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 1992, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FESI. Parce qu'au même moment, devait avoir au palais de la justice le procès de leur secrétaire général, Aipo. On n'était même pas à côté du palais de justice, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. Et qu'on avait déjà préparé des voitures à être brûlées avant qu'on arrive. Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau. Et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FPI était stationné vers la rame. Mais le véhicule était vide, à la hauteur de l'immeuble Sojefia. Le gardien m'a appelé pour me dire que les dignitaires du FPI étaient au sous-sol. C'est au même moment que les militaires sont arrivés. J'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Donc, j'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FPI. Et j'étais en tenue militaire. Donc, j'ai donné mon corps comme bouclier. Et lui, il s'est mis derrière moi. Et j'ai avancé pour le placer à l'arrière de la jeep. Parce que la jeep était presque collée au portail. Et pour assurer la sécurité arrière du véhicule, j'ai mis le capitaine Batté. Aujourd'hui, il est colonel. J'ai fait démarrer en trombe la jeep. Et je l'ai conduit au commandement supérieur pour le présenter au commandant supérieur. En son temps, c'était le général Tani. Moi, j'ai eu moins de chance. Parce que moi, ce sont les militaires, justement, qui m'ont trouvé. Et j'étais avec 4 ou 5 autres personnes. Nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment. Et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont amenés, donc... au camp militaire là, du plateau, et on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont les gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés et le traitement qu'ils étaient en train de nous faire subir. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arrachés des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanouie sous les coups. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. 5 militaires qui ont brûlé la voiture de Monsieur Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Ouais. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. À la Maka, comme on savait ce qu'on avait fait, ça n'est rien. Donc on était là, on était tranquille, on s'organisait. Laurent Akoun était devenu notre Abdallah parce que sa chambre était devenue un magasin de vivres. Nous étions nourris par
les militants et sympathisants qui étaient